Terry m'a appelé ce matin pour me dire qu'il y avait un souci avec Harvey. Il n'a pas réussi à joindre le veto, alors j'ai dit que j'irai voir. Il y a plein d'oiseaux morts aujourd'hui. J'en vois d'autres ici. Les pauvres. J'ai essayé plusieurs fois d'avoir Stephen au téléphone. Il sait toujours quoi faire. Je suis venu ici, mais je vois ni Terry ni le chien. C'est bien possible qu'il soit passé sous une voiture. Il a peut-être la rage. Harvey! Harvey, viens, mon chien. Allez, viens, Harvey. Allez, Harvey. Allez, mon grand. Harvey. Harvey. C'est toi. Je t'avais dit qu'on allait être coincés. On aurait mieux fait de prendre la voiture. C'était une mauvaise idée. La mauvaise idée, c'était de venir habiter ici. Et je te le répète, Barbara m'a dit que les routes étaient fermées. Ah bah si Barbara le dit, alors... Tu n'as qu'à aller voir. Hé, hey, c'est pas Harvey? Harvey! Harvey! Harvey? Mon chien! Allez, viens par ici.
Stephen m'a téléphoné. Il veut couper le récepteur à cause de manifestations de la trace dans toute la vallée. Nous avons des décharges électrostatiques intermittentes qui émanent de la tour 6. Toute l'installation électrique du portail principal est en panne. Je vais aller voir ça. Une fois que le flux de données se sera un peu calmé ici. Je ne vois pas. On descend l'aider. Laisse tomber. Il faut qu'on avance. Sean, on peut pas le laisser là, il doit être blessé. Putain, Diana, le gosse nous attend dans la voiture. Il faut qu'on continue de rouler. On peut pas partir comme ça. Regarde, il est là, dans la voiture. Oh mon Dieu, il est blessé, il faut qu'on descende. Je t'ai dit, laisse tomber. Il faut qu'on quitte la vallée tant qu'il est encore temps. Oh mon Dieu, il essaie de détacher sa ceinture. Voilà. Tout va bien, tu vois. Allez, ma chérie.
Wendy. Wendy, réveille-toi. Eddie, c'est toi? Non, c'est moi. C'est Franck. Oh, Franck. La porte était ouverte. Je me suis dit que ça dérangerait pas Graham. Je suis certain que non. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherchais Stephen. Mais je commençais à fatiguer. Et la porte était ouverte. Tu as écouté la radio. Je crois que je l'ai entendu à la radio. Partout dans la vallée. Tu ne comprends donc pas? C'était pas un phénomène abstrait. Cette chose qui est entrée dans la tour en est ressortie. Ils ont mis toute la vallée en quarantaine. Elle est là, dans l'observatoire. Elle est là, dehors. Elle s'adapte et se propage. Tu comprends? Non, on ne peut pas la repousser. De quoi il parle? Aucune idée. Mais si sa radio est allumée, je peux essayer de le joindre avec la Sibie. Va chez Stéphane. Et si de mon côté je le trouve, je lui dis de venir te rejoindre. One, six.